Chers frères et sœurs, où que vous soyez confinés, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, le ressuscité. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour ce temps de culte. Alors que l'on commence à parler de l'après-confinement, il nous faut rester très vigilants et très patients encore, et ce n'est pas toujours facile. Un nouveau temps psychique s'ouvre pour beaucoup. Comment préparer l'avenir? Que ce temps de culte permette à chacun de déposer devant le Seigneur son attente et son souci. Nous avons une pensée particulière ce matin pour nos amis musulmans qui sont entrés dans le mois de Ramadan. Nous leur souhaitons de vivre au mieux cette période si importante pour la fraternité et pour leur communauté. Nous pensons à tous ceux qui traversent cette crise sanitaire et sociale dans la précarité ou qui redoutent la précarité après la fin de ce confinement. Et nous rappelons ce matin que prier Dieu, c'est aussi aider notre prochain. Ainsi, je vous enjoins de vous rapprocher du Centre d'Action Sociale Protestant pour faire votre don si vous pouvez les aider ou de notre entraide, car beaucoup auront besoin de nous quand nous ferons le bilan de ce qu'a provoqué ce confinement. Et le CASP a déjà besoin de nous pour maintenir son activité auprès des plus précaires. Pour partager ce moment de communion, ce moment où nous nous retrouvons dans ce culte, je vous invite à partager le psaume 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi, dans une terre desséchée et épuisée faute d'eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. Ainsi je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Je serai rassasiée comme de graisse et de moelle. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, car tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attachée à toi, ta main droite me soutient. Et nous partageons la louange avec le psaume 107 qui est joué maintenant par David Cassan, et vous pouvez retrouver les paroles du psaume pour chanter vous aussi.
nous nous présentons devant le Seigneur avec cette méditation de Dietrich Bonhoeffer sur la situation du pécheur et la vie en communauté entre frères. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Rester seul avec son mal, c'est rester tout à fait seul. Il se peut que des chrétiens, malgré le temps de recueillement en commun et la prière commune, et bien qu'ils soient vraiment au service de la communauté, demeurent finalement seuls, sans parvenir à former une communauté réelle. En effet, ils veulent bien être en une communauté de croyants, de gens pieux, mais non une communauté d'impies et de pécheurs. Il s'ensuit que chacun doit chercher à cacher son péché à lui-même et à la communauté. Il ne nous est pas permis d'être pécheurs. On ne peut pas imaginer l'horreur de beaucoup de chrétiens si soudainement un vrai pécheur faisait son apparition parmi les gens pieux. C'est pourquoi nous restons seuls avec notre péché, dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Car en fait, nous sommes bel et bien des pécheurs. Mais c'est la grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre pour les gens pieux, que de nous mettre dans la vérité et de nous dire « Tu es un pécheur, un grand pécheur, incurablement, mais tu peux aller, tel que tu es, à ton Dieu qui t'aime. » Il te veut tel que tu es. Il ne veut absolument rien de toi, ni sacrifice, ni œuvre, mais il te veut toi-même, toi seul. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit le proverbe. Dieu est venu jusqu'à toi pour rendre heureux le pécheur. Alors réjouis-toi. Ce message est une libération par la vérité. Devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Le masque que tu portes devant les hommes ne te sert à rien devant lui. Il veut te voir tel que tu es et il veut te faire grâce. Que cette méditation de Dietrich Bonhoeffer nous accompagne et nous fasse méditer sur la confiance que nous pouvons avoir en Dieu. Et je vous invite à partager ensemble cette confession de foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit, pour nous apporter la réconciliation et le renouveau, nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous, nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Avant de lire les Écritures, nous prions ensemble avec Augustin d'Hippone. Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché. Et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. Et j'ai beaucoup discuté et j'ai peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Ne permets pas que je me lasse de te chercher, mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi avec ma force et ma faiblesse, soutiens l'une et guéris l'autre. Devant toi et ma science et mon ignorance, là où tu m'as fermé, ouvre à celui qui frappe. Que je me souvienne de toi. Que je te comprenne, que je t'aime. Et nous allons lire ensemble la lecture d'aujourd'hui dans le chapitre 24 de l'Évangile de Luc à partir du verset 13.
Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils leur répondirent « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange. Qu'il le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer et avec eux, une fois installé à table, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même. Retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain.
voici à la sixième semaine de confinement et nous vivons en Église d'une façon tout à fait inédite. Nous ne pouvons plus nous rendre dans les lieux de culte. Nous ne pouvons plus chanter ensemble, écouter à l'unisson, dans le même silence, le même discours. Partager au même moment la même prière, la présence virtuelle n'ayant pas les mêmes modalités que la présence réelle. Et que dire de la scène que nous ne pouvons pas partager et qui est sans doute le point le plus névralgique de notre pratique religieuse actuelle et future, puisque sa pratique est la plus contraire aux règles sanitaires édictées en cas d'épidémie virale. En effet, qui boirait dans la même coupe que son voisin en ce moment sans prendre le risque d'une infection ? Que dire aussi des baptêmes, des mariages et évidemment des obsèques. Tous ces moments où la communion avec les proches, l'émotion d'être ensemble en communauté, l'impression d'être là où quelque chose d'irremplaçable et d'unique se passe, tous ces instants qui donnent un relief particulier à nos existences et nous en rappellent le prix inestimable aux yeux de Dieu, tous ces temps aussi nous sont en ce moment retirés. Comment recevoir cette situation donnée? Nous pourrions refuser la réalité, entrer en résistance et prôner une désobéissance au nom du droit à nous réunir et pratiquer notre religion. Mais ce serait nous tromper de combat. Notre confinement n'est pas une interdiction discriminante à laquelle il faudrait s'opposer héroïquement et entrer en clandestinité. Le confinement n'est pas fait contre nous, mais il nous protège. Nous ne sommes pas une église des catacombes, pas plus qu'une assemblée clandestine après la révocation de l'édit de Nantes. Ce que nous vivons, toute proportion gardée, rappelle davantage ce que rapporte Martin Luther au révérend John Hess quand il écrit « Alors que la peste noire sévissait en Europe, je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger et ensuite je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminée et aussi infliger et affecter les autres. » pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement, et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. L'ennemi n'est pas seulement notre ennemi, mais il est aussi l'ennemi de tous. Nous nous trouvons tous touchés, parce que nous sommes tous susceptibles d'être malades ou de rendre malade un autre. Nous sommes à la fois vulnérables et responsables, isolés des autres et interdépendants les uns des autres. Dans cette situation paradoxale, les communautés religieuses, à l'exception de quelques églises organisant des messes clandestines, ont pris acte de cette nouvelle situation et se sont organisées pour rester présentes auprès de leurs membres, au moins de façon virtuelle, et continuer d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu autrement. Mais quelle peut être cette bonne nouvelle dans cette période d'incertitude et de crise sanitaire mondiale ? Quel est le message de libération qui peut intégrer le risque que représente la contagion? Où est la limite entre la précaution légitime et une vie qui tend à l'absurde parce qu'elle est empêchée de toutes parts? Dans le texte de l'évangile de Luc, les deux hommes qui s'éloignent de Jérusalem après la mort de Jésus n'ont plus aucune raison de rester là où ils ont pourtant entendu le Maître leur annoncer le règne de Dieu pour cette terre. Comme une sanction sans concession, la mort de Jésus a remis tout leur avenir en question. La mort de Jésus a tué leur espérance en ce monde meilleur. Et les liens qu'ils avaient tissés avec les disciples de Jésus
ne sont plus assez forts et n'ont plus assez de sens à leurs yeux pour qu'ils fassent communauté entre eux. À ce moment-là, la communauté des héritiers de Jésus risque la dissolution ou l'oubli. Cet épisode de l'évangile de Luc met en relief un tournant décisif de la communauté des disciples de Jésus qui, souvent, ne se connaissaient pas encore vraiment tous les uns les autres. Il y a ceux de Galilée, ceux de Jérusalem, ceux qui sont des missionnaires itinérants envoyés par Jésus lui-même, ceux qui sont à Jérusalem et qui l'ont entendu prêcher, ceux qui l'accueillaient dans leur maison et lui donnaient un toit et un repas. Il y a les 12, devenus 11, effrayés et encore inconscients de la portée des paroles de Jésus et du nombre de personnes qu'il a pu toucher de son vivant par sa prédication. Il y a Jacques, ce frère qui semble seul avec sa mère à prendre parti pour ce parent un peu original qui bouleverse les codes habituels de la tradition religieuse familiale. Bref, une myriade de témoins du Christ attendent qu'on les rassemble en constellation. Les témoins d'Emmaüs sont deux de ces étoiles isolées. Et par leur cheminement, l'évangile de Luc nous décrit le moment décisif du choix. Vont-ils s'en tenir au souvenir d'un prophète proclamant le salut pour Israël et qui, comme tant d'autres prophètes galiléens, comme Élie lui-même, ont disparu sans que leurs paroles ne transforment le monde réellement? Ou comprendront-ils ce qui se révèle à eux? C'est à eux que revient le rôle de donner forme à ce règne annoncé par la vie même de Jésus. Une nouvelle ère s'ouvre devant eux. Ils peuvent accepter l'oubli en restant atomisés ou inventer de nouveaux chemins de transmission de l'espérance de Dieu en faisant tradition commune avec les autres héritiers de Jésus. Comment s'approprier la crise? Comment lui donner une signification au-delà des obstacles qu'elle révèle sur nos chemins? En faisant de cette crise le terreau de nouvelles traditions vivantes, sans doute. C'est ce que semble nous dire ce texte de l'évangile de Luc. Le récit des témoins d'Emmaüs s'approprie la crise provoquée par la mort du Christ en instituant deux piliers du christianisme naissant, la prédication de la résurrection et le sacrement de la scène. Les traditions apparaissent souvent comme venues du fond des âges. L'on oublie ordinairement qu'elles ont tout un début dans un contexte donné qui a nécessité une création. Si tradition vient étymologiquement de transmission, elles ont pourtant bel et bien un début et une fin, selon les besoins du message qu'elle devait transmettre. Elle crée des symboles propres à véhiculer des valeurs et des modes de vie qui semblent ancrés dans une histoire lointaine, laquelle leur donne leur légitimité. Les témoins d'Emmaüs sont rejoints par la présence spirituelle du Christ qui les aide à aller puiser dans le fond historique de la foi d'Israël, pour donner sens à l'événement de la mort du Christ et l'ériger au rang de tradition. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans les Écritures, le concernait, dit le texte. Au fur et à mesure qu'il marche, la tradition de l'Église se raconte, s'institue, s'écrit. Les deux étoiles perdues sur le chemin d'Emmaüs ont reconnu ce qui les faisait briller chacun dans leur cœur. Et grâce à cette rencontre et au récit qu'ils font des événements, ils peuvent rejoindre la constellation où Jésus leur avait préparé une place, celle des disciples du ressuscité. Ils font tradition commune autour du tombeau vide, s'appuyant sur ce qui leur manque pour reconnaître et mettre en récit le don de Dieu. De nombreuses traditions cohabitent dès le début du christianisme.
celle des missionnaires itinérants, continua comme du vivant de Jésus et s'attacha à répéter les paroles du Christ et à raconter ses gestes. Pour eux, la résurrection, qui était un concept encore assez récent en Israël, ne constitue pas le socle de leur tradition à la suite du Christ. La tradition du Jésus thaumaturge aussi, le faiseur de miracles, continua dans les contrées où Jésus avait fait des miracles ou des actes de puissance. Là non plus, le tombeau vide ne constitue pas le socle originel de leur fidélité à Jésus. La résurrection a mis du temps à s'imposer comme le message central du christianisme. On repère cela dans les textes les plus anciens, à la diversité des termes choisis pour évoquer ce phénomène de résurrection. En fait, on a beaucoup de mal à trouver un mot pour dire cela, alors on parle de réveil, de relèvement, d'élévation, d'exaltation, de glorification, ce qui montre que l'événement peinait à faire sens unanimement dans les différentes constellations de témoins. En revanche, dans d'autres courants, la résurrection fut le point de départ d'une nouvelle tradition qui allait perdurer avec le succès qu'on lui connaît jusqu'à nos jours. Les lettres de Paul, puis les évangiles canoniques, adopteront cette tradition du ressuscité. On peut même dire que sans cette innovation symbolique que constitue la notion de résurrection, le christianisme aurait peut-être été oublié aujourd'hui. Le recours à cette idée selon laquelle le vide laissé par Jésus était signifiant pour ses survivants, comme préfiguration de la résurrection de tous les croyants après lui, ou encore comme signe de la venue du règne de Dieu, ouvrit un temps d'espérance nouvelle et permit aux disciples de Jésus de sortir de l'impasse absurde dans laquelle la mort infamante de leur maître les avait plongés. On sait aujourd'hui que c'est dans ces groupes sédentaires et plutôt urbains, et donc stables dans le temps et l'espace, que les cultes de maison se développèrent, ce qui institua le récit de la Passion du Christ et la Sainte Cène comme socle traditionnel solide de la religion que devenait le christianisme. Ces rites permirent à Paul d'aller vers une compréhension universaliste des héritages du Christ. Manger du pain et boire du vin ensemble, et transcender par la résurrection la peur de la mort, constituaient des éléments anthropologiques compréhensibles de tous, juifs et païens. Les témoins d'Emmaüs reconnaissent Jésus au moment où il mange avec lui le pain. Il se rattache à ce geste du dernier repas du Christ pour comprendre leur propre engagement d'apôtre. L'événement vécu devient alors rite parce qu'il prend sens dans leur foi propre. Aujourd'hui, nous sommes privés de ces choses qui font sens pour nous. Sans doute, vous dites-vous que lorsque l'on est moderne, comme les protestants le sont, on n'a pas besoin de tradition. Pourtant, même les modernes créent leur tradition pour donner du poids à leurs réformes. N'a-t-on pas appelé les réformés, d'ailleurs, les archéologues de la foi ? Preuve qu'ils allaient chercher la légitimité de leurs réformes dans les fondements historiques. La crise que nous vivons creuse des manques dans notre vie communautaire. Même si la communion spirituelle n'était pas exclue de notre communauté, et loin s'en faut, elle est devenue aujourd'hui notre préoccupation centrale en quelques semaines parce que nous ne pouvons plus nous rejoindre dans nos lieux de culte et que seule cette spiritualité vécue à distance peut nous maintenir dans les liens fraternels. Les liens de fraternité et d'amitié au nom du Christ sont mis à l'épreuve de l'éloignement et de l'isolement. Nous découvrons nos richesses, nos capacités à nous adapter, mais aussi nos pauvretés,
jusque-là voilée par l'évidence de notre liberté d'agir. Nous n'avions pas à nous poser plus de questions. Il nous faut redoubler de confiance précisément au moment même où nous sommes les plus inquiets. Et ça aussi, c'est difficile. Cette crise révèle combien notre communion est grande quand nous pouvons nous reconnaître fragiles et vulnérables, dépendants de l'amour de nos frères, et en être conscients. Elle nous montre aussi combien le désir de maîtriser ou de conserver l'Église dans ses formes immuables est vaine. Car l'Église ne peut rester toujours la même au milieu des contingences. Elle est un don gracieux de Dieu qui nécessite une adaptation constante de nos pratiques, une relecture de nos traditions. Comme cette révélation qui, donnée aux témoins d'Emmaüs sur le chemin, les oblige à relire leur histoire et à considérer le partage du pain comme un moment essentiel de communion avec le Christ, comme un sacrement. Frères et sœurs, nous sommes comme les deux témoins qui errent dans leur fragilité et leur vulnérabilité et sont rejoints par le Christ. Il nous faut recevoir l'Église que Dieu nous donne et inventer de nouvelles traditions de partage, de communion, pour nous adapter à un avenir différent, à des crises sanitaires ou climatiques ou sociales. Car comme l'écrit Dietrich Bonhoeffer, on oublie facilement que la communauté de frères chrétiens est un don gracieux du royaume de Dieu qui peut nous être pris chaque jour et que nous pouvons d'un instant à l'autre être précipités dans la solitude la plus profonde. Dieu nous fait le don de la communauté visible dans des proportions différentes. La brève visite d'un frère chrétien, une prière commune et la bénédiction fraternelle consolent le chrétien dans la diaspora. Et même une simple lettre écrite de la main d'un chrétien le réconforte. Voilà ce que Dietrich Bonhoeffer écrit dans son livre « De la vie communautaire ». Après cette crise, frères et sœurs, les choses auront changé. Et il serait illusoire de ne pas voir en cette période où tout semble manquer la révélation de ce qu'il nous faudra sans doute adapter. Cette crise nous révèle que l'Église n'est pas seulement un lieu, elle n'est pas un bien matériel, elle n'est pas uniquement visible, mais elle est aussi invisible. Et il nous faudra sans doute annoncer l'espérance par de nouveaux chemins de transmission, par de nouvelles traditions, de nouvelles pratiques, adaptées aux contraintes nouvelles de notre temps. Et ce n'est pas grave. Nous voyons que dès le début de l'Église, dès le début, il y a eu de multiples pratiques adaptées au milieu où l'Évangile était prêché. Bientôt, nous nous retrouverons, concrètement. Et alors, l'Église sera pour nous, comme pour Martin Luther, quand il dit « cet instant de repos parmi les roses et les lys ». N'est-ce pas merveilleux ? Mais nous nous souviendrons alors intimement que c'est Dieu seul qui nous donne cette Église pour laquelle nous devons sans cesse inventer de nouveaux langages. Amen.
L'Oratoire du Louvre reste en contact avec vous dans ce temps de confinement, vous l'avez compris, et n'hésitez pas à consulter régulièrement votre site internet oratoiredulouvre.fr. Vous y trouverez bien sûr des méditations, prochainement une méditation de ma consœur Agnès Adeline Schaeffer, des prières, des contenus pour les enfants, notamment toute une partie de la semaine sainte, de la semaine pascale, qui est présentée aux enfants sous forme de séances d'école biblique. Et puis, bien sûr, les cultes que nous avons la joie de partager avec vous chaque dimanche. Vous pouvez aussi envoyer un message sur l'adresse suivante accueil@oratoiredulouvre.fr et demander à être abonné à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Le temple et la maison presbytérale sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre, évidemment. En ce dimanche, je vous invite à donner votre offrande à votre église, comme si vous étiez au temple, en cliquant sur « Faire un don » en bas de la page du site de l'Oratoire du Louvre. Car le confinement ne doit pas nous priver de la joie de donner et de partager nos biens pour que l'Évangile continue à être prêché. Donc n'hésitez pas, prenez le temps de faire cette opération qui se fait en toute sécurité et en toute facilité. Pour terminer ce culte, je vous invite à la prière. Dieu le miséricordieux, si nous t'appelons Adonai, tu es là. Si nous t'appelons Père, tu es là. Si nous t'appelons Seigneur, tu es là. Si nous t'appelons Allah, tu es là. Et si nous te cherchons dans les ténèbres, tu nous rejoins. Tu es là partout où tes enfants t'appellent. Que notre foi en toi nous garde de toute arrogance religieuse et que nous soyons capables, en ton nom, de devenir frères et sœurs les uns pour les autres dans ce monde, car ce monde a besoin de notre fraternité. Dieu de tous les hommes, fais de nous des artisans de paix. Fais de nos institutions religieuses des structures assez fortes pour garantir à tous la liberté d'exprimer sa foi et assez souples pour se réformer sans cesse, afin de garantir une annonce fidèle de la parole pour ce monde. Pardonne-nous enfin de te demander ce que tu sais mieux que nous. Donne-nous l'humilité dans la foi. Et ensemble, reliés les uns aux autres malgré les distances qui nous séparent, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, tenez bon dans ces moments insolites et difficiles. Tenez bon dans la confiance et la paix. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Amen.